C'est une vie tout à fait différente pour moi d'être ici. Mais on a une bonne équipe. On a battu ici à domicile Bruges, on a battu le Standard, on a battu Gand. Personnellement, ça se passe bien aussi. Je fais des bons matchs et j'aide mon équipe à gagner des points. Donc c'est important pour moi aussi d'apporter mon expérience et d'avoir un bon niveau parce que voilà, quand vous venez d'Anderlecht, vous avez un certain statut et les gens, voilà, ils attendent plus de toi que d'un joueur normal. Je fais mon maximum et je m'amuse. Pour moi, ça, c'est le principal. Pour les supporters du Standard, je resterai toujours un mauve. Mais vous savez, quand vous avez joué beaucoup d'années à Anderlecht, c'est normal que vous avez une étiquette sur votre dos. Ben, je sais vivre avec ça, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'ai passé une très bonne soirée dimanche soir avec la victoire, donc pour moi c'était bien. Oui, la fête est plus grande parce que à Ostende, la victoire, c'est pas obligatoire. Vous savez, les supporters, ils sont là. À Anderlecht, la victoire est obligatoire chaque semaine parce que vous êtes le plus grand club de Belgique et que vous avez une pression aussi médiatique qui fait que voilà, que vous devez être présent à chaque match. Et bon, moi, ça me dérangeait pas ça. J'étais habitué avec ça. Ça faisait quelques années que je savais gérer la pression. Pour moi, ça a été un changement ici parce que voilà, il y a plus la fête après les matchs. J'ai énormément de respect pour Ostende qui m'a offert un contrat de 4 ans. À mon âge, ça montre un respect. Donc je dois leur donner du respect aussi pour ça. Mais j'ai toujours dit que voilà, que je voulais finir ma carrière à Anderlecht. D'un côté, voilà, ça a été une déception pour moi parce que j'aurais voulu faire ça toute ma carrière à Anderlecht. Mais j'en veux à personne. J'ai tourné la page et maintenant je suis tout à fait concentré avec Ostende. Et j'écris une histoire, enfin une partie d'histoire avec Anderlecht. Et maintenant, voilà, moi d'écrire une autre histoire avec Ostende. Ah, pour moi, ça va être le match le plus spécial de ma carrière. Parce que j'ai toujours eu une bonne relation avec le public anderlechtois. J'ai des copains aussi en face. J'ai beaucoup d'amis qui sont supporters d'Anderlecht aussi. Donc ça va être spécial, oui, ça va être le match le plus spécial de ma carrière. C'est normal de m'adapter ici et d'essayer de parler en néerlandais. Bon, je fais certainement des fautes parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Donc j'essaie d'apprendre ici un petit peu sur le tas. Je fais mon maximum et les gens aiment bien ça. Vous savez, quand vous faites votre maximum, les gens savent que vous essayez, donc ils vous respectent pour ça aussi. Iedereen bedankt voor de steun dat ik krijg hier in Ostend. Een goed moment en een slecht moment ook. En de supporters van Ostend zijn heel belangrijk voor ons. Ze zijn altijd acteur de ploeg. En ik wil en ik hoop dat we zullen een goede seizoen maken en zeker de play-off 1 halen en spelen hier in ons nieuwe stadion.